Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chasse au trésor. Nous partons aujourd'hui à la découverte du Cameroun. Du Cameroun, au fond du golfe de Guinée, le Cameroun qui est un pays très beau, c'est un pays très diversifié sur le plan géographique, avec des plaines irriguées et des plaines où l'on cultive beaucoup de choses traditionnelles en Afrique, mais aussi avec des forêts très denses, aux espèces extrêmement rares, et puis avec des reliefs volcaniques, le plus souvent comme le célèbre mont Cameroun qui culmine tout près de l'océan d'ailleurs, à plus de 4000 mètres d'altitude. Alors le Cameroun, qui n'avait pas de pétrole, avait des idées depuis un certain nombre d'années, et comme le Cameroun avait des idées, eh bien il a diversifié ses activités, ce qui est la meilleure façon, vous le savez, d'avoir une économie en bon état. Et cette diversification, ça a été au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie. Vous savez que le Cameroun est un pays qui fabriquait de façon assez importante de l'aluminium, des industries de transformation de matières premières au niveau du papier et de l'agriculture et de l'alimentation. Aujourd'hui, le pétrole, risque de devenir une richesse du Cameroun, comme le Nigeria voisin, qui est un pays riche grâce au pétrole, ou comme l'autre voisin de l'autre côté, le petit Gabon, mais qui est un pays aussi en pleine expansion grâce au pétrole. Donc on cherche du pétrole au Cameroun. La capitale du Cameroun, de la République fédérale du Cameroun, c'est son nom depuis son indépendance en 1960, c'est Yaoundé, au cœur du pays, mais la grande ville commerciale, la ville, je dirais, la plus active, c'est Douala, sur le front de mer, sur la façade maritime. Douala, c'est le grand port qui draine toute l'activité de cette région de l'Afrique, c'est un port très important, et notamment qui exporte les bois précieux que produit le Cameroun. Voilà, alors nous allons jouer tout au nord de ce pays, tout au nord du Cameroun. Et j'ai mon petit papier parce qu'il n'y a pas longtemps que je le sais, nous allons jouer près du lac Tchad, au pays des Kapsiki. Alors les Kapsiki, eh bien, c'est l'une des composantes de la grande ethnie du nord qui vit dans cette région et qui s'appelle les Kirdi. Voilà pour cette présentation du Cameroun. Nous allons jouer avec deux candidats suisses. Bonjour, bonjour. Heureux de vous accueillir. Françoise et Jean-Marc Walter, vous venez de Romanelle. C'est ça, tout près de Lausanne. C'est tout près de Lausanne, sur les hauteurs de la ville. Sur les hauteurs, oui. Sur les hauteurs de la ville. Vous êtes tous les deux enseignants. Vous avez des petits élèves, des grands élèves? Des grands élèves. Des grands élèves? Oui. Ben, je vous plains parce que ça ne doit pas être facile. Ça va. Enseignement général? Oui, c'est ça. Et vous, Jean-Marc? La même chose. La même chose. Voilà. Vous n'êtes pas dans la même école tout de même? Pas du tout, non. Pas du tout. Vous avez vous-même deux enfants. Oui. Elsa. Bonjour, bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour. Du Cameroun, André Gide a dit que c'était un des plus beaux pays du monde. Moi, je dirais simplement, comme l'a laissé entendre Didier d'ailleurs, que c'est un résumé de l'Afrique, un condensé. Par contre, tous les détails sur le Cameroun, vous les trouverez dans ses livres. Alors, cherchez bien dans les livres et vous trouverez les trésors sur place. Bonne chasse au Cameroun. Merci. Bonne chasse et cap tout de suite sur le nord du Cameroun où nous allons retrouver Philippe. Bonjour Philippe, vous êtes donc dans le pays des Kapsiki, dans le pays des Kirdi, peut-être en savez-vous plus que nous? Oui, bonjour à vous tous. Eh bien, j'en sais plus que vous, je sais en tous les cas que Kapsiki veut dire ceux qui ont grandi. Donc je suis dans le pays de ceux qui ont grandi. Je suis sur votre carte. Eh bien, au nord de cette carte, je suis au village de Nzambo, N-Z-A-M-B-O, tout à fait au nord de votre carte. Un petit village avec un tout petit marché. Jean-Yves Lemener et Serge Beaupère décrivent ce marché qui est aujourd'hui assez pauvre. Là devant nous, pardon, une petite échoppe là, mais il y a quelques savons à vendre, quelques petits gâteaux, un peu de sucre. Voyez-vous, c'est une région qui connaît pas mal de difficultés, surtout qu'il n'a pas plu ici depuis 5 mois. La région est très sèche et il y a encore cette fameuse brume qui recouvre toute la région. Et si bien que pour Jean-Yves Lemener et Serge Beaupère, ça ne va pas être très facile de faire de très belles images, ce ne sera pas très contrasté. Par exemple, je ne sais pas si tu vois le mont en face là, Jean-Yves, mais il est à même pas 500 mètres et on a beaucoup de mal à le voir. Nous allons rejoindre l'hélicoptère, qui est une Alouette 3 aujourd'hui, de l'armée de l'air camerounaise, avec aux commandes, eh bien c'est le sergent-chef Feutcheu, Joseph Feutcheu. Je ne vous en dis pas plus, je viens d'arriver dans ce pays, je ne le connais pas très très bien, j'y suis venu mais il y a quelques années, je vous rends la parole et puis nous allons le découvrir ensemble pendant 45 minutes, à vous Didier Leca. Bien, merci Philippe, donc 45 minutes c'est vrai, vous le savez, 45 minutes, pas une minute, même une seconde de plus, hein, pour trouver trois trésors, trois énigmes à déchiffrer, à décrypter. Nous allons tout de suite commencer cette émission. Elsa, je prends la première enveloppe, la première énigme, elle vaut 2500 francs français, ça fait 761 francs suisses. Hein.
C'est vrai que le rapport franc-français-franc-suisse est toujours assez étonnant pour nous, ici, à Paris en tout cas. Philippe! Oui, vous êtes... voilà, j'arrive. Vous êtes prêt? À côté du sergent-chef Feutcheux, nous sommes prêts, si on peut démarrer la machine, ok. La machine, c'est l'hélicoptère. La machine, c'est l'hélicoptère, la machine volante. La machine volante. On y va, Philippe. C'est attention, parti. Top chronomètre. Voici la première énigme de cette chasse au trésor au Cameroun, au nord du Cameroun. Et nous allons tout de suite la découvrir ensemble. Notre augure, aux grandes pinces, ne l'avait-il pas prédit? Point d'interrogation. Celui qui vient du ciel prendra le Rada Radaka. Alors, je relis cette énigme. Notre augure, aux grandes pinces, ne l'avait-il pas prédit? C'est une interrogation. Et entre guillemets, celui qui vient du ciel prendra le Rada Radaka. R-A-D-A-R-A. D-A-K-A. Voilà. Bien noté, Philippe. Radaka. Radaradaka. Alors, nous partons tout de suite ici dans nos livres pour une première recherche. Jean-Marc et Françoise, première peut-être idée sur le texte de cette énigme. Oui, Philippe, vous êtes sur un marché, vous dites. Oui, petit marché, mais vraiment un tout petit village. Hein, le village de Nzambo, au nord de votre carte, c'est vraiment un tout petit village qui comporte peut-être une vingtaine ou trentaine de cases. Hein. Enfin, je suis sur un marché, il y a des gens autour de moi. Alors, écoutez, demandez à quelqu'un qui parle suffisamment bien le français, parce que je suppose que dans ces régions, les dialectes sont assez spéciaux, si quelqu'un sait ce que c'est que le Radaradaka. D'accord, je vais poser la question. D'accord. Pardon, monsieur. Non. Pouvez-vous me dire ce qu'est le Radaradaka? Connaissez-vous la signification de Radaradaka? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me renseigner? Non? Vous savez ce qu'est un Radaradaka? C'est un nom propre, c'est une chose, c'est... Le Radaradaka, c'est un village, c'est quoi? Radaradaka, je ne sais pas ce village-là. Vous ne savez pas? Ce n'est pas ici. Est-ce que vous savez ce qu'est le Radaradaka? Il n'a pas le parfum, il n'a pas le parfum. Vous ne parlez pas français? Oui. Cherchez de votre côté parce que j'ai quelques... Oui, nous cherchons, nous cherchons. Savez-vous, monsieur, ce qu'est le Radaradaka? Ah non, ce monsieur ne parle alors, pas français. Alors, Philippe, non. Écoutez. Oui. Écoutez, Philippe, je viens de trouver quelque chose ici. Oui. Je vous relis peut-être l'énigme. Allez-y. Notre augure aux grandes pinces ne l'avait-il pas prédit? Il s'agit d'un animal, ici un crabe. Et je vous lis ce que je trouve sur mon livre. Un Rumziki. Vous serez conduit par la main par des enfants très entraînés avec l'afflux du tourisme à leur métier de guide. Ils vous emmèneront observer les artisans, qu'ils soient tisserands, potiers ou forgerons, et surtout consulter le fameux sorcier au crabe. Retenez bien ce nom, le sorcier au crabe. Pour vous, sorcier les grandes pinces, c'est les pinces d'un crabe. D'accord, les pinces d'un crabe, oui. D'accord. Qui jouit ici. Pardon? Oui, Rumziki, c'est un village qui est à l'ouest de notre carte. Voilà, c'est alors, Rumziki, je vais le montrer aux téléspectateurs, c'est ici. Alors, Philippe, c'est un petit peu au sud-ouest par rapport à Nzambo, d'accord? Oui, très bien vu, mais voulez-vous que j'y aille tout de suite, je décolle ou j'attends encore d'autres informations de votre part? Je pense qu'il faut aller là-bas tout de suite. Bon. D'accord, donc pour le Radaradaka, nous attendons un peu. Alors, oui, nous cherchons de notre côté. Celui qui vient du ciel, ça sera c'est Philippe. Au il prendra le Radaradaka. Et nous sommes en train de chercher un objet que lui donnera le sorcier au crabe. Je continue d'accord, à lire. Donc, allez-y. Je continue à vous lire la définition que j'ai trouvée. La divination par l'entremise d'un crabe de maillot qui vient déranger dans une cuvette des bâtonnets préalablement plantés dans du sable est traditionnelle chez les Kaptiki. Elle est en général assurée par le forgeron, à la fois sorcier et croque-mort. Donc vous devez trouver un homme là-bas. Oui. À Rumziki, qui est à la fois forgeron, sorcier et croque-mort. Forgeron, sorcier et croque-mort. Jean-Marc, vous avez l'air très sûr de vous, là. Pourquoi cet augure grande pince, pour vous, est un crabe? Eh bien, parce qu'on disperse donc ces bâtonnets dans le sable, et le crabe arrive, et suivant l'aspect qu'il donne à la figure, on peut interpréter et prédire l'avenir, en fait. D'accord. On ne pourra s'empêcher de remarquer la tournure commerciale qu'a prise cette institution à Rumziki avec le tourisme. Donc ça doit être quelque chose d'assez connu, vers lequel se dirigent beaucoup de touristes. D'accord. J'indique à notre pilote Joseph, nous allons à Rumziki. À Rumziki, oui. Et vous demandez
le forgeron à la fois sorcier et croque-mort. Alors vous savez, d'accord, Philippe, que Jean-Marc et François sont enseignants tous les deux. Ils ont beaucoup de méthodes car ils se sont répartis les livres. François, avez-vous oui. trouvé d'autres, alors, d'autres moi, je informations cherche, si j'ai des renseignements sur le culte des morts. Oui. J'essaye de retrouver ce nom de Radarin Dakar. Regardez dans les tables, hein. C'est souvent intéressant de regarder dans les tables des matières si ce mot n'est pas indiqué. C'est Radarin Dakar. Le plus vite possible maintenant. Ok. Donc cap sur Rumziki, Philippe. Hein. Nous voilà. Sommes bien d'accord. Cap sur Rumziki. Là, il y a ce qu'ils ont dit ici. On retrouve là. Avec le culte des morts. Vous avez une confirmation dans un c'est autre livre oui. sur le culte des morts. Qu'est-ce que tu viens de dire, mais j'ai pas bon, il faut trouver ce que c'est que le Radarin Dakar. Oui, alors, pour l'instant, donc les questions que j'ai posées à propos du Radarin Dakar, personne ne semblait savoir ce qu'était le Radarin Dakar. Oui, c'est peut-être un objet typique de la ville ou typique de la fonction du sorcier. Ah oui, d'accord. Voilà, sinon, dans vous avez... les coutumes, au chapitre des coutumes, ou au chapitre... Et sinon, dites-moi, pays... est-ce que, par exemple, non, je vais à Rumziki, est-ce que vous avez localisé l'endroit de ce forgeron, de ce sorcier, de ce croque-mort? Il est dans le village même? Il doit être dans le village même, oui. D'accord. Dès qu'on arrive à Rumziki, Joseph, si on peut se poser dans le village. Ok? Merci. Vous avez quelque chose sur Rumziki? Oui, il y a quelque chose sur... Allez-y, Jean-Marc. Voilà. Alors, les habitants de Rumziki sont des Margi ou des Kapsiki, littéralement ceux qui ont grandi. C'est ça. La plupart sont des animistes, sauf les jeunes qui, eux, sont christianisés. Bon, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur ce Radar. Radar, voilà, exactement, vous le prononcez mieux que moi. Ici, il y a le culte des morts. On pourra réfléchir, Jean-Marc et Françoise, pendant que Philippe vole vers Rumziki. Celui qui vient du ciel prendra le Radar Dakar. Celui qui vient du ciel, vous avez dit, c'était Philippe, c'est sûr. Vous avez trouvé quelque chose? Kapziki, c'est dans une poterie ronde que le devin au crabe dispose voilà, les ovules. C'est ça. Alors on va montrer voilà, la photo. Il faudrait trouver. Philippe, vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Alors ici, on ne nous précise pas exactement le terme Radaradaka, mais on voit un sorcier qui dispose le crabe dans une poterie ronde. Dans une poterie d'un diamètre d'une vingtaine de centimètres à peu près, et on voit d'accord. un crabe qui s'en va jouer avec ses petits bâtonnets. Par conséquent, on peut... Ce sont des crabes vivants. On ne peut pas affirmer, mais on pense que ce... dans la poterie. Radaka, ce peut être la poterie. La poterie elle-même. Ce peut la poterie. Être la poterie d'accord. ou quelque chose qui se trouve dans la poterie. Bon. Mais on n'a encore pas trouvé ce nom. Alors je pense que dès que Philippe est posé à Rumziki, si vous êtes d'accord, le mieux c'est qu'il interroge. Voilà, il faudrait demander aux gens le sorcier. Du long droit s'ils savent ce que veut dire Radaradaka. On y arrivera, voilà. Hein. On regarde toujours dans peut-être dans les tables, hein, ou dans les coutumes. Coutumes. Bon, je crois que dans la coutume on est fixé. Oui. Ce sont quelle sorte de crabes parce qu'on est loin de la mer quand même ici. Ce sont des crabes. Ce doit être des crabes. On trouve des crabes dans cette région. Écoutez, ce sont des crabes l'animal. Oui, mais des crabes animaux. Oui, c'est sûr. Oui, il semble qu'il soit séché, celui qui est sur la photo. Ah, pas d'accord. Nous sommes toujours donc en direction de Rumziki. Dites-moi, Joseph, on est encore loin de Rumziki? Dans combien de temps on arrive? Non, 2 minutes. Deux minutes, alors d'accord. Très bien. 2 minutes, ok. Je cherche Kapiski ici. Il n'y a rien là. Donc on a la photo hein, de ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est le marché de Piachiga. Voilà, là. Ah oui, d'accord. Kapiski, oui, d'accord. Kapiski. Je vous entends assez mal, si vous pouviez parler oui, un peu plus fort. Oui, tout à fait. Malheureusement, j'ai attrapé une petite otite et hier, je suis allé me faire soigner donc par à la mission catholique, pas très loin. Heureusement, j'ai rencontré Sœur Fernande qui était vraiment, pour moi, c'est très gentille. Oui, ainsi d'ici, voilà, Joseph, notre pilote, me fait signe que nous arrivons à Rumziki. Bon. Alors, si on peut se poser, hein, s'il te plaît. Alors, posez-vous, il doit bien y avoir une place centrale dans le village. Oui, et demandez le sorcier forgeron. Nous trouvons encore la d'accord. confirmation dans cet ouvrage. Devin, musicien, fondeur de cuivre, potier et croque-mort. C'est
c'est un village assez, assez joli, complètement en fin de coteau, en terrasse. Il y a des parcelles de petites cahutes. C'est assez, voilà, c'est assez joli. Malheureusement, la météo ne nous permet pas de faire de très, très belles images. Mais nous allons nous poser, s'il vous plaît, le plus vite possible, si on peut se poser. Donc vous êtes chez les Kapsikis, ceux qui ont grandi. C'est ce que nous disions tout l'heure. Et vous souhaitez, Jean-Marc? Nous souhaitons que Philippe aille vers, le plus vite possible vers le forgeron de vin. Le sorcier forgeron. Le sorcier forgeron. Le sorcier forgeron. Oui, et demande cet objet qui s'appelle Radaradaka. La signification du Radaradaka. Joseph va nous poser tout au centre du village, vraiment au milieu. Bravo. Je vais essayer de trouver le forgeron. Allez-y. Croque-mort. Françoise, dès que vous avez une information, vous nous la donnez. On vous proposera aussi les services d'un sorcier qui prédit l'avenir par l'intermédiaire d'un petit crabe de maillot. Oui. Le jeudi, les eaux sont toujours très astucieux. Attention, vous proposeront à la tête, hein. De vous accompagner jusqu'à un grand marché situé en pleine campagne. Bon, je pense pas que c'est ça. Demandez peut-être aux enfants ou si vous trouvez un véhicule. Là, pour l'instant, je suis dans un village mais perdu en pleine montagne. On vous proposera aussi le service d'un sorcier qui prédit l'avenir par l'intermédiaire d'un petit crabe de maillot. Pardon, monsieur, je suis à la recherche du sorcier. Du sorcier qui est en même temps croque-mort. Vous connaissez une personne qui est sorcier, qui est croque-mort? Je le connais très bien. Oui, on voilà, est là, très bien. Alors, village. Oui. Vous pouvez me montrer le chemin, s'il vous plaît? Voilà. Bon, écoutez, il y a une personne qui est là, près du hélicoptère. Nous avons atterri, je vais demander s'il connaissait le sorcier. Il me dit que oui. Mais, Philippe. Oui. Il y a probablement plusieurs sorciers dans cette région de Rumsiki. Pardon, je vous reçois assez mal. Mais je suppose qu'il y a plusieurs sorciers. Attendez, je vais demander. Parce qu'ici, on est-ce que, dit... Est-ce qu'il y a, il y a plusieurs aussi. Sorciers? Pardon? Bon, alors je suis à la recherche d'un sorcier qui a un Radaradaka. Voilà, c'est ça. Oui, vous pouvez... Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un Radaradaka? Il utilise des crabes. C'est un sorcier qui utilise des crabes. Oui. Vous pouvez m'emmener à celui-ci. Crabes de maillot, vous nous avez dit. Des crabes de maillot. Des crabes de maillot. Il utilise des crabes de maillot. Donc, c'est-à-dire de rivière. Il est là? Je vous remercie. Il utilise des crabes de rivière. Je rentre dans une... Voilà. Je suis au milieu d'une sorte de labyrinthe. De l'océan ou de la mer. Ce sont des crabes de... C'est un crabe de rivière. De rivière. Maillot de rivière ou un crabe chanteur. Oui. Qui l'aura fait tournoyer au préalable. D'accord. Il n'y a personne. Il est là, le sorcier, mais il n'y a personne. Attends. Pardon. Le sorcier, il est là? Il est pas là, le sorcier? Merci. Bon, faut aller voir par là. Il n'y a pas de... Écoutez, je suis à l'intérieur maintenant de ces cases, mais je ne vois personne. C'est peut-être une case plus grande qu'une... Ah, que les autres. J'arrive. Vous êtes le sorcier du village. Nous avons utilisé un peu plus de 12 minutes. Je ne vois pas de crabe là. Où ça? Ah oui, il y a des crabes. Est-ce que vous avez, monsieur, s'il vous plaît, demandez. Un Radaradaka? Vous avez Radaradaka? Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Le plus vite possible? Qu'est-ce que c'est? Non, mais je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est le Radaradaka? Vous pouvez me le donner? Oui. Le Radaradaka, si tu veux, je te donne. Oui, je le voudrais, s'il vous plaît. Prenez-le vite. Oui, je te donne. Mais c'est quoi? C'est quoi? Le Radaradaka, c'est les crabes. C'est les crabes. Attention! Stop! Voilà. C'est un crabe. J'ai le crabe dans la main. C'est ça, le Radaradaka? Formidable, merci infiniment. Merci beaucoup, Philippe. Top chronomètre, alors, à 31 minutes 42 secondes, le Radaradaka serait le nom d'un crabe, Philippe. Je demande la confirmation. C'est bien le Radaradaka? C'est bien plus chez nous aussi. C'est bien. Non, mais ça, c'est bien le Radaradaka? Oui, c'est bien. Radaradaka. Voilà le Radaradaka. Okay. Ah bon? Voilà. Attention, non, attention! Ah, alors là, alors, bon, je vais demander à Zaz. Il y a une confusion, Le Radaradaka, c'est ce que j'ai maintenant entre les mains, donc il faudra... Bon, ça va, on n'est pas à quelques secondes près quand même. Hein, voilà, c'est ça. J'ai le Radaradaka, c'est un instrument de musique. Attendez, vous alors pouvez... là, on est... Oui. Attendez, expliquez-nous bien. Excusez-moi, bon, il y a une c'est confusion, pas le nom d'un j'ai demandé... C'est pas le nom d'un crabe. C'est donc pas un crabe, j'ai demandé au sorcier de me donner le Radaradaka, et il m'a donné le crabe, j'ai cru que c'était le trésor. Ne m'en voulez pas, il m'a dit ensuite que le Radaradaka, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Bon, alors, oui, je me tourne vers Isaac. Vous pouvez jouer du Radaradaka. Oui, mais enfin... À 3 secondes, 5 secondes. Il était quand même tout près. Le Radaradaka était à côté du sorcier. Il y a une petite confusion. Il a été remis...
on le compte. Écoutez, je propose que nous écoutions quand même ce... Oh, je ne pense pas, parce que ça s'est joué à 2-3 secondes. On n'est pas à quelques secondes près, hein. Non, on n'est pas à quelques secondes près. Sur cette première énigme sera très bien déroulée. Bien joué. Le voilà. Voilà, on attend le temps. Ah oui, un crabe n'aurait pas su jouer ça, même en passant la guitare. Vous ne pouvez pas le savoir, hein, c'est un instrument de musique. On n'a pas trouvé ici... Superbe, superbe concert. Merci Philippe. Elsa, Alors, bravo, ça a été très très vite. Vraiment, on est à 31-42, c'est superbe. Bien démarré l'émission. Moi, l'énigme me paraissait un petit peu mystérieuse. Ça ne vous a pas du tout impressionné? Vous n'avez pas trouvé ça sorcier, apparemment. Jean-Marc a eu une logique étonnante. Ah oui, non, ça a été très vite. Et vous avez très bien démonté l'énigme. Vous avez trouvé les éléments dans les livres. C'est bien. Et pourtant, il s'agissait bien de magie, là. Je dois vous dire que pendant les repérages, les producteurs de l'émission ont été fort impressionnés par ce sorcier local qui manipulait donc ces crabes du maillot pour se livrer à des prédictions. Alors, la démarche est la suivante. On prend ces crabes de maillot. Le sorcier dispose d'une sorte de calebasse, vous en avez trouvé la photo dans les livres aussi, remplie de sable et d'eau, piquetée de petits bâtonnets, vous savez, des bâtonnets genre Mikado. Il plonge le crabe dans la calebasse, il referme la calebasse et il laisse évoluer le crabe pendant ce temps incantation, manipulation, je ne connais pas les formules, il se passe plein de choses. Il joue d'ailleurs du radaradaka pendant ce temps-là. Il rouvre la calebasse et selon que les bâtonnets ont été... Le crabe entre-temps a joué un petit peu au Mikado, il a déplacé les bâtonnets. Et selon que les bâtonnets sont placés de telle ou telle façon... La prédiction est telle ou autre, enfin, c'est selon les déplacements du crabe dans la calebasse. Alors, cet augure, ce crabe et ce sorcier surtout, ont prédit, et vous savez très bien que Philippe n'assiste jamais au repérage, il ne va jamais dans le pays avant l'émission, il avait prédit son arrivée. Non, malheureusement. Enfin, moi, dans les livres avant. Dans les livres, vous, c'est vrai. Au moment de l'émission. Eh bien, il avait prédit l'arrivée de celui qui arriverait du ciel, donc avec son escorte, c'est-à-dire Philippe de Dieu. Il avait d'ailleurs prédit autre chose, mais ça, je ne vous le dirai pas pour le moment. Ah bon ? Bien. Passons à autre chose, Elsa, à la deuxième énigme. Elsa, est-ce que je peux demander au sorcier s'il peut me prédire que nous trouverons les 3 trésors aujourd'hui ? Ah, écoutez, il l'a déjà prédit, alors je pense que je donnerai la solution à la fin de l'émission. On s'est bien parti parce que c'était, pas de il y aurait 31 minutes 42 secondes pour trouver les deux autres trésors, c'est formidable. Bien. J'ai merci vu dans beaucoup, votre regard que je quand vous laisse, on parlait à bientôt. Crabes, vous aviez merci, au revoir. De trouver que c'était le trésor et en fait il fallait aller jusqu'à absolument, un instrument oui, de musique. Absolument, oui, j'ai sursauté. En fait, il y a eu un malentendu entre ce sorcier et Philippe. Il n'avait pas compris il lui a tendu le crabe et Philippe l'a pris à tort pour le trésor. Il faut absolument que Philippe se mette au dialecte. Oui. Ne m'en voulez pas, hein. De trouver le trésor et de faire non, mais Philippe, il faut... Moi, écoutez, je demande un radaradaka, on me donne un radaradaka, alors je dis oui, c'est ça, c'est le trésor. Il faut absolument que vous mettiez au dialecte africain, il y en a 200 ou 300. Je vais demander au producteur de me laisser une semaine de vacances au Cameroun. D'accord. Jean-Yves et Serge, on reste la deuxième enveloppe, okay. Philippe. Oui, nous sommes prêts. Vous êtes prêts, nous aussi, 5000 francs français, 1532 francs suisses. Attention, top chronomètre, voici la deuxième énigme. Et je vous signale, Philippe, que Françoise et Jean-Marc sont extrêmement concentrés, extrêmement attentifs à tous les mots de l'énigme que voici. Après avoir utilisé la cire, nous le vîmes s'éloigner du saré vers le four près duquel il planta la houe de cuivre. Elle doit y être encore. Alors je relis cette énigme qui comporte quelques noms propres. Philippe, après avoir utilisé la cire, C-I-R-E, nous le vîmes s'éloigner du saré, S-A-R-E, vers le four près duquel il planta la houe, H-O-U-E, de cuivre. Elle doit y être encore. Voilà l'énigme. Okay. Première réflexion, Jean-Marc et Françoise. Alors on va peut-être voir ce que c'est que le saré. D'accord. Philippe reste à Rumziki. Je suis revenu, je suis dans l'hélicoptère, nous attendons vos ordres, je suis prêt à décoller si vous le désirez. Saré. Nous cherchons actuellement ce que peut être le saré. D'accord. Qui est peut-être une pièce architecturale d'un village. De pièces architecturales d'un village, oui, peut-être. Alors, nous avons trouvé Saré, Mafa. Le Saré doit être
hutte assez pointue. Reste à la... Ici, toutes les huttes ont un toit pointu. Elles sont circulaires, d'environ un diamètre de 3 à 3,50 m. Et en effet, il y a un toit pointu à chaque hutte. C'est ce que je peux vous dire. Ici, j'ai un chapitre concernant un forgeron Maffa coule le fer. Alors, après avoir utilisé la scie, nous le vîmes s'éloigner du saret vers le four près duquel il planta la houe de cuivre. Ça fait trois choses à trouver finalement, la scie, le saret et il planta la houe de cuivre, qui visiblement est le trésor puisqu'elle doit être encore et apparemment Philippe doit la trouver. La houe, c'est la charrue. La houe, c'est la charrue. La houe, c'est la charrue, la scie. Qu'est-ce que vous donnez comme, comme indication à Philippe? Jean-Marc, que c'était où que Philippe fasse tout. Je peux retourner dans le village, essayer de trouver quelqu'un qui parle français. Oui, éventuellement, essayer de trouver quelqu'un. Peut-être, hein. Je vous attends, on revient tout de suite. Regardez si il y a un four dans la localité où vous êtes. S'il y a un four. Un four, oui. Qui un doit four, être, je vais demander. Qui doit être éloigné du saré, c'est-à-dire de ses huttes. Le four doit être un petit peu à l'extérieur du village. D'accord, je vais cire, trouver quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a la cire. Monsieur, ah, vous cherchez s'il vous où plaît. Là Jean-Marc et Françoise. Moi, je cherche ici, j'ai un chapitre concernant un forgeron. Oui. Je regarde si je peux trouver quelque chose concernant cette cire. Elle parle devant moi. Je ne suis pas un martien. Le charbon de bois est préparé. Cette personne là-bas peut-être. Il doit y avoir des forgerons dans plusieurs... Concernant de la poterie... La porte... Ah voilà. Pardon. Alors, monsieur voilà. Il vous faut aller dans le village d'Amsa. Bon attendez. Pardon. Il faut aller dans le village de Amsa. A-M-S-A. À 6 km de Rumsiki vers le sud. Pourquoi Jean-Marc? Où un forgeron travaille encore selon la tradition. Voilà, son haut fourneau est situé à 250 mètres en retrait du saré. Voilà, ici. Donc c'est sud, ça. Il vous façonnera en utilisant l'antique procédé de la cire perdue, donc on a tous les éléments, quelques tabatières ou pipes en bronze. Alors dépêchez-vous. Bon, je quitte bien Jean-Marc. C'est tout au sud-ouest. Hein. Au sud-ouest de votre carte, à 6 km, vous demandez le forgeron. Oui. Qui a son haut fourneau à 250 mètres du village, à 250 mètres en retrait du saré. La méthode des enseignants suisses est absolument stupéfiante. Attention, hein, comment vous faites pour trouver si vite dans les livres? Vous avez une méthode particulière? Non. On a l'habitude de chercher les choses. Dans les livres, hein, oui. Ça se voit. Vous avez... Oui. Il nous reste combien de temps maintenant? Ça marche pas, il nous reste 27 minutes. 27 minutes. Ok, c'est parfait. Donc je quitte donc le village de Jean-Marc pour que le compte. Et je vais vers Amsa. Amsa. Et Jean-Marc va nous redonner toutes les informations qu'il a trouvées dans un livre sur le Cameroun, bien entendu. Allez-y, Jean-Marc, que l'on comprenne bien pourquoi. Si votre voiture on va là-bas. Ne vous autorise pas ces audaces, ou que la marche à pied est toujours possible, vous rebute, ne négligez pas, à 6 km de Rumsiki au sud, sur la route de Garoua, le village d'Amsa. Où un forgeron travaille encore selon la tradition. On y va. Son haut fourneau est situé à 250 mètres en retrait du saré. Il vous façonnera en utilisant l'antique procédé de la cire perdue, quelques tabatières ou pipes en bronze. Bon, Jean-Marc, si vous rapprochez ça de l'énigme, et si l'on peut superposer ces deux textes, après avoir utilisé la scie. C'est donc cette cire qui sert à... façonner ici une tabatière. D'accord. Ou une pipe. Nous le vîmes s'éloigner du saré vers le four près duquel il planta la houe de cuivre. Comment interprétez-vous cette phrase un petit peu compliquée tout de même par rapport aux informations que vous avez trouvées? C'est le sorcier là, tu as vu? On vient de dire au revoir au sorcier. Il s'éloigne de son village pour vraisemblablement aller travailler vers le four. D'accord. Et il plante la charrue de cuivre. Peut-être a-t-il besoin d'une charrue. Elle doit y être encore, donc. Elle doit y être encore. On doit la trouver. C'est le trésor. Le trésor, c'est quoi alors? Écoutez, d'après Jean-Marc, c'est une charrue de cuivre. Moi, je suis un petit peu étonné qu'une charrue était quand même. On la mettra sur la galerie d'hélicoptère. Ça me paraît énorme. Enfin, pourquoi pas. Hein. Vous êtes sûr de ça? Non, mais... Une pioche. On la démontra.
Une petite pioche. Une charrue ou une pioche. Plutôt une petite pioche. Bien qu'on ait dit que l'ancêtre de la charrue était là où remuer la terre. Voilà. Oui. Donc un petit piochoir. Un instrument pour remuer la terre, hein, c'est ce que dit le dictionnaire. Une petite pioche recourbée, nécessaire à remuer la terre. On a peut-être des photos de ça. Je vais regarder moi pendant que vous affinez la recherche, mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Simplement, quand Philippe va atterrir à Hamsa, il faut qu'il demande... Où est le forgeron, et ça doit être facile à trouver puisqu'il habite à 250 mètres de son village. Vous le guidez, Françoise, oui. Dès qu'il atterrit. Hein. Il nous reste 24 minutes 44 secondes, nous sommes tout à fait dans les temps. D'après ma carte, le village de Hamsa est beaucoup plus petit que celui de Rumsiki. Voilà, donc ça sera plus facile à trouver. Oui, celui de Rumsiki n'était pas énorme, donc Hamsa, si je demande le forgeron, on risque de l'indiquer tout de suite. Enfin, du moins, j'espère. Hein. Un haut fourneau, merci. Voilà, nous avons l'image d'un haut fourneau ici. Oui. Région de Messi. On a des photos d'Ara pour qu'on les voit. C'est pas indiqué, hein. C'est pas indiqué. Non. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. C'est par là ? Non, c'est plus loin ? C'est pas ça ? Non. Je vais voir s'il se trouve un plan éventuel du village pour peut-être vous guider mieux, mais si c'est un petit village, il n'y aura peut-être rien. Ce que je peux faire aussi, c'est survoler le village et éventuellement voir photo. Si... Voilà, c'est bien. D'accord. Et vous devez voir une construction assez... à 250 mètres, vous m'avez dit. Assez retirée, oui, 250 mètres du village. D'accord. À l'architecture spéciale. Et c'est le haut fourneau dans lequel vous trouverez le forgeron. Tenez, Françoise, là j'ai une indication supplémentaire dans ce livre sur affectoire. Vous voyez le plus vite possible. Sur. Je voudrais vous dire. Qu'est-ce que j'ai trouvé? La méthode de la cire perdue. La méthode de la cire perdue. Les poids étaient fabriqués et le sont encore d'après la méthode de la cire perdue. Celle-ci suppose que l'on part d'un moule exécuté en cire d'abeille. On y mélange une ouverture par où l'on fait passer un tube. Le moule est ensuite enduit d'une pâte faite de charbon de bois puis recouvert d'argile. Lorsque l'on chauffe l'ensemble, la cire se liquéfie et s'échappe par le tube. L'or fondu est alors versé dans la cavité à son fini. Avec un refroidissement, l'enveloppe d'argile durcie et brisée et le tube en deux façons, il ne reste plus que le poids réel. C'est possible que ce soit donc un objet qui a été moulé, qui a été réalisé. Je suis au-dessus du village, comme oui. Ça. Alors, oui. Alors, essayez de repérer cette construction particulière. Écoutez, qui doit être le four du forgeron. C'est pour moi très difficile parce que le village est assez étendu. Il y a un certain nombre de cases rassemblées par paquets, mais complètement éparpillées. Et je ne vois rien de caractéristique qui pourrait donc m'indiquer la présence du haut fourneau. Là, je préfère me poser. Oui, je voilà. Me poser dans le village. Alors posez-vous et demandez le forgeron. Ça doit le être forgeron. Très connu. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a lu François, de ce qu'on a trouvé sur la technique de la cire perdue? Vous pensez qu'on a pu mouler On a pu mouler un objet. Un objet. Donc ce ne serait pas une charrue. Parce que... Non, ce serait beaucoup trop gros. Une c'est un objet pioche. Qui doit être plus petit. J'ai vu des gens là. On revient. Vous précisez bien Philippe. Hein. Philippe. Philippe. Oui. L'objet, voilà, l'objet, parce que Françoise nous a lu la technique de ce que l'on appelle la cire moule, la cire perdue. La cire perdue serait une technique de moulage d'objet. Donc ça ne peut pas être une charrue, c'est un objet plus petit probablement. Hein. C'est possible que ce soit un objet en or. Parce qu'ici on parle, l'or fondu est alors versé dans la cavité ainsi obtenue. Oui, mais l'énigme, ici, c'est la houille de cuivre. Ah oui, d'accord. Ah, de cuivre, là. Je suis maintenant à peu près 50 de mètres, il y a des gens rassemblés, je vais les voir et je vais leur demander. Demandez-leur vite. Bon, alors je demande. 21 minutes, c'est le temps qu'il nous reste. Alors, quelle est la question exacte que vous voulez que je pose? Alors, vous demandez le forgeron du village où est son four. D'accord. Où est le four communal, si l'on veut. Vous y allez et vous trouvez près de ce four. Est-ce qu'il y a une petite pioche recourbée? Oui. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français, s'il vous plaît? Vous parlez français? Vous parlez français, monsieur? Je suis à la recherche du forgeron. Le forgeron. Pardon, je suis à la recherche du forgeron. Est-ce qu'il y a un forgeron? Où est ça? Moussa? C'est le nom du forgeron?
Comment s'appelle-t-il? Je sais pas, Moussa, c'est le nom du forgeron. Est-ce qu'il y a un forgeron, monsieur, s'il vous plaît? Voilà, ici. Il est là-bas? Il y a un forgeron? Est-ce qu'il y a un four dans le village? Ah, de la technique de la... De la cire perdue. Hein. Il est par là? Allez-y vite. Le plus vite possible. Voilà, écoutez, il y a une personne qui vient de m'indiquer qu'il y a en effet un forgeron. Très bien, donc ça doit être ça. Ce forgeron serait à son four. Voilà, alors s'il est à son four, c'est parfait. Écoutez, ce monsieur vient de me donner la direction. Nous partons, nous allons faire 250 mètres dans cette direction. Dans notre livre. Il y a même pourquoi un forgeron, Jean-Marc? Jamilou. Bien parce que les instruments aratoires étaient nécessaires dans la région et bon, il fallait bien... Pour gratter la terre. Hein. Voilà, effectivement. D'accord. Je suis donc avec Jean-Yves. J'étais fabriqué par les forgerons. Je viens de quitter donc une case où étaient rassemblées donc plusieurs personnes. Je suis en direction du four, je ne vois rien pour l'instant. Alors nous le vîmes s'éloigner du sarret vers le four près duquel il planta la haute cuivre. Jean-Marc, vous guidez bien Sylvie. Qu'est-ce que c'est le sarret en fait? Alors, vous devez aller du village vers le four. Le village dans ces régions-là s'appelle le sarret. Jean-Yves, oui. Il y a devant moi, il y a trois personnes, il y a un tout petit four, alors, comme un four à pain, tout petit four. Près duquel il planta, donc le petit objet... La petite pioche que vous devez trouver est plantée près du four. Faites bien le tour de ce four. Vous êtes bien le forgeron du village. Est-ce que vous avez une houe? Vous avez une houe? Un petit piochoir? Une petite pioche recourbée? Oui, mais je ne vois rien. Faites bien le tour de son four. Le four est tout petit. Oui, près duquel, n'est-ce pas? L'énigme est précise, hein? Près duquel il planta la haute cuivre. C'est pas forcément immédiatement à proximité du four. D'accord. Près duquel, hein? Il faut chercher autour du four, Philippe. Dans les environs. On cherche une houe. Mais maintenant, regarde ici. Attention! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Top chronomètre. À 18:04 de la fin, allez-y, Philippe. Une petite houe entre les mains. Voilà, formidable, merci. En cuivre. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais elle a la même couleur que la terre et que les herbes. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Elle est tout près du forgeron qui est en train de souffler actuellement et d'activer son feu, son four. Merci infiniment. Vous pouvez nous décrire rapidement l'objet, Philippe? Eh bien, écoutez, c'est une petite houe miniature. Oui. Qui fait, le manche fait à peu près 20 cm. Et puis la partie principale, eh bien, fait une largeur de 8 cm. Et c'est la forme d'une houe, mais toute petite, miniature. Pour faire son petit jardin, voilà. On est loin de la charrue, mais on a précisé nos recherches. Je préfère prendre une houe dans l'hélicoptère qu'une charrue. Bravo, parce que vous êtes allé directement à Hamza. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsa? Moi, je trouve qu'il joue vraiment trop vite, on en a trop de temps, là. On est à 18, je ne sais pas comment on terminera l'émission. Si vous continuez comme ça, alors là, je vous demanderai un cours sur vos techniques de recherche, parce que vraiment, c'est stupéfiant, c'est rapide, précis. Très bien. Par contre, la houe, vous n'en connaissiez pas la signification. Vous savez, c'est un petit instrument très utile dans le jardinage. Apparemment, vous ne jardinez pas, ni l'un ni l'autre. Oui, ça sert à aérer la terre et je crois que chaque jardinier, même amateur, se sert d'une petite houe. Mais vous jardinez. Oui, de temps en temps, j'avoue. Pour en revenir au sarret, bon, on a parlé du sarret, il fallait s'éloigner du sarret vers le four. Le sarret est un groupe d'habitations. Il est constitué de plusieurs cases et le chef de famille, vous savez que les chefs de famille là, ont droit à plusieurs femmes et chaque femme a droit à 4 cases. Donc le sarret est extensible, à chaque mariage on rajoute le nombre de cases attribuées à la nouvelle femme. Alors ça c'était pour le sarret. Le forgeron, bon ben, vous l'avez trouvé très vite, presque trop vite. Le forgeron dans la société Margui ou Capsiki, c'est-à-dire la société de ceux qui l'ont grandi, Philippe nous l'a dit en début d'émission, c'est un personnage très important. Il est un peu devin, un peu sorcier, mais il est surtout forgeron et il fait de fort beaux objets, dont cette houe de cuivre, c'est quand même exceptionnel. Ils sont très travaillés, ces objets. C'est un procédé, malgré tout, très sophistiqué, qui s'appelle le procédé de la cire perdue. Alors là, Françoise nous a tout expliqué. Je n'ai plus rien à dire sur le procédé. On a même vu des schémas.
Absolument. C'est très précis. Hein, la technique est très élaborée. Ça donne des résultats très beaux, mais avec des instruments finalement très rustiques. Mmh. Les fours, ce sont pratiquement des fours à pain. Les soufflets sont très rustiques aussi. Par contre, ça donne de très beaux objets. Voilà ce que nous ont rapporté les producteurs lors des repérages. C'est un objet façonné par ce fameux forgeron. Ah, vous nous aviez caché ça, Elsa. Je le cachais précautionneusement pour que vous n'imaginiez pas ce que faisait ce forgeron. Je vais l'ouvrir. Ah, c'est un poignard. Les ornementations sont faites à la cire. C'est un poignard ? C'est un poignard. D'accord. En cuivre façonné. À la cire perdue. Un petit peu. Oui. Hein, rustique. Un petit peu poussiéreux. Ça sonnait donc avec la technique de la cire perdue. Absolument. Très bien. Ben je le mets symboliquement, j'espère qu'il va nous porter chance. Excusez-moi. Sur mon petit bureau. Philippe. Oui. J'ai un très beau poignard que nous a présenté Elsa sur mon bureau, là. Parfait. Pendant qu'Elsa donnait l'explication de ce deuxième trésor, eh bien Jean-Yves faisait des images de ce forgeron en plein travail. Et c'est assez étonnant de voir ce petit four complètement perdu en pleine nature, non loin de ce village d'Amsa. Voilà, nous repartons vers l'hélicoptère, je suis prêt à démarrer le chronomètre. Je prends la troisième enveloppe, troisième énigme. Vous avez déjà trouvé deux énigmes, donc 2293 francs suisses vous sont acquis. Cette énigme vaut 6130 francs suisses, 20 000 francs français. Vous avez du temps, hein, c'est formidable, mais méfiez-vous. Parfois, des candidats ont beaucoup de temps et puis la troisième énigme, ils ne la trouvent pas. Alors, il ne faut pas se fier, c'est 18 minutes, 4 secondes qu'il nous reste. Il faut chercher aussi vite qu'on l'a fait jusqu'à présent. Attention, Philippe. Oui, je suis prêt pour le chronomètre. Top chronomètre. Top. Voici la troisième énigme. Merci, messieurs. Écoutez, Philippe, surprise, oui. Les producteurs oui. M'offre, enfin je sais pas s'il me l'offre, un billet. Un billet de 100 francs. Un billet de 100 francs. De la République fédérale du Cameroun. Alors je vais voir tout de suite ce que ça veut dire. Parce que j'allais dire que le 3e trésor avait baissé de prix. Voici l'énigme. Christophe Colomb vous donnera le RO. Merci les producteurs. RO. QLOQ. Ou ROCULOCU, je sais pas, au pied de ce dic. Alors je relis l'énigme, sérieusement, pour ne pas perdre de temps. Christophe Colomb vous donnera le ROCULOCU. Coulocou, j'appelle, hein, R-O-K-U-L-O-K-U, au pied de ce dic, D-Y-C-K, et il y avait dans l'enveloppe des énigmes, de cette troisième énigme, je le montre, un billet de 100 francs de la Banque Centrale de la République Fédérale du Cameroun, nous allons le mettre ici pour que tout le monde le voit, et je pense bien évidemment que ce billet a un sens, vous êtes bien d'accord Jean-Marc et Françoise? Et qu'il doit avoir un rapport avec l'énigme. S'il faut qu'on reparte pour poser des questions, on va se attendre. Alors, dites-moi, Philippe, voulez-vous que je pose. Oui, l'hélicoptère est assez loin de ce groupe de personnes. Est-ce que je vais à l'hélicoptère pour décoller ou est-ce que je reste avec ces personnes pour éventuellement poser quelques questions? Restez avec ces personnes et demandez-leur deux choses. La première chose, s'ils connaissent quelqu'un, et ça c'est en fait assez peu probable, qui s'appelle Christophe Colomb dans la région. D'accord. Et la deuxième chose. Oui. Demandez-leur ce que c'est que le ROCULOCU. ROCULOCU, oui. Et quant au lieu, quant au lieu vers lequel vous devez vous diriger, c'est un dike, c'est-à-dire une grande falaise, un reste de volcan, une roche très volcanique. Et je propose, Jean-Marc et François, que vous décriviez votre billet à Philippe. Alors, attendez, oui. Un billet ayant deux faces, je vais vous décrire la face la plus intéressante pour nous. C'est celle où figure justement ce paysage dénudé, désertique, reste d'un volcanisme très ancien, s'élèvent quelques pics rocheux, et au pied de ces pics, on trouve une case avec un ou deux arbres. Voilà. On trouve quoi au pied de ce dic? Une petite case. Une case, d'accord. Une case avec... Voilà, alors le billet, de l'autre côté, il y a deux bateaux, superbes, et puis probablement le président. Voilà. Alors, Jean-Marc, expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé à ces déductions, pourquoi cette montagne vous intéresse. Eh bien, parce que c'est le reste d'une évolution volcanique qu'on appelle dike, en fait. Là, voilà. Voilà, il faut aller à Rumziki. Pardon ? Philippe, vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. Vous allez à Rumziki. Où nous étions tout à l'heure. Oui, où nous étions tout à l'heure. Enfin, ce sont dans les environs. On va faire un rapprochement. Dans les environs de Rumziki,
Il doit y avoir une zone assez montagneuse avec un très grand piton rocheux. Une zone très volcanique. Pardon. C'est le même. D'accord, bon, donc je quitte ce village. Vous ne voulez pas que je me renseigne sur l'éventuel présence de Christophe Colomb? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Bon. Retournez dans la direction de Rumziki. Okay. Et ça, ce doit être sur votre gauche. D'accord. Sur votre gauche. On va le chercher sur la carte. En partant d'Amsa sur Rumziki, vous allez voir une région très montagneuse. Il faut remonter. D'accord. Alors, attendez, moi je suis complètement perdu, je vais vous dire, parce que j'étais encore sous le charme de ce poignard forgé à cire dorée. De la troisième énigme, et puis vous nous avez donné, Jean-Marc, toutes sortes d'informations. Je voudrais vous les expliquer, parce que je veux dire que je ne vous suis pas très très bien. Comment, avec cette énigme, Christophe Colomb vous donnera le roku-loku au pied de ce dic. Vous avez déduit que le billet qui était dans l'enveloppe vous donnait toutes ces informations. Christophe Colomb doit être le nom, ou plus précisément le surnom d'un habitant de ce village. Oui. Le roku-loku. On n'en sait rien encore pour le moment. Le dike, c'est la forme montagneuse que prend. Vous l'avez dans les livres, ça? On le voit ici. Je le connais. Ah, vous le connaissez? Oui. Ah, ça explique tout. Comment vous le connaissez? Comment? Quoi qu'ici, on nous donne les renseignements. Nous redécollons pour aller dans la région de Rumziki. Voilà, Jean-Marc. Il faut survoler Rumziki, la région de Rumziki. J'ai étudié le relief volcanique. Ah, d'accord. Vous êtes professeur de. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. On survole la région de Rumziki. Ah bon, alors Philippe. Oui, je vous écoute. Jean-Marc a de la chance parce qu'il connaissait. Il connaissait par ses études ce que signifiait le dic. Alors le dic, c'est quoi? C'est une montagne? Exactement, clairement. Ah, je comprends mieux, parce que j'étais un peu perdu, là. Philippe. Oui, je vous écoute. Alors, ici, Rumziki est un village perdu dans un décor grandiose. À peine début de gigantesques pitons de lave, provenant de cheminées de volcans, font saillie à la surface du sol, comme s'ils avaient crevé la croûte terrestre. Vision onirique. Ah, mot comment? Des aiguilles rocheuses aux parois presque lisses qui paraissent inaccessibles. C'est pourtant là que les gens des environs se réfugiaient autrefois lorsqu'ils apercevaient au loin les nuages de poussière qui annonçaient les corps d'envahisseurs. Quand le danger était passé, ils retrouvaient leur plateau brûlant qui aujourd'hui attire les touristes du monde entier. Alors, est-ce que vous avez localisé? Et plus précisément par rapport au village de Rumziki. Pas encore exactement. Donc Jean-Marc, puisque vous êtes tout de suite parti sur cette piste du dic, car vous le connaissiez par vos études, vous le situez où, vous? Il doit être dans cette région ici. Ah voilà, j'ai trouvé quelque chose. Allez-y Françoise. Ah non, pour que les étrangers se souviennent d'eux et leur écrivent, ils se sont aussi amusés à se donner des noms de personnages historiques. Ils se font appeler Charlemagne, Jules César ou Henri IV. Alors peut-être que... Ah d'accord. Vendent des graines. Donc ce sera un surnom. Les enfants de Rumziki vendent des graines et des gris-gris aux touristes. Alors il vous faut retourner dans la direction donc de Rumziki, voir sur votre chemin si vous ne voyez pas un grand piton volcanique se dresser dans le ciel. Il doit faire bien 150 mètres à peu près. D'accord. 150 mètres. Et au pied de ce piton rocheux, à environ 200 mètres, eh bien, il y a un petit village. Alors, ce Christophe Colomb serait un monsieur. Bon, Philippe. Oui, je suis toujours donc en direction de Rumziki, mais j'aimerais que vous me localisiez, s'il vous plaît, la position de ce dic par rapport à Rumziki, parce que je ne sais pas où chercher. Oui, alors le massif montagneux se trouve plutôt sur votre gauche, lorsque vous allez à Rumziki. Par conséquent, il devrait... Il y en a un là. Je dis bien... Il y a un massif montagneux. Bon, mais c'est une formation montagneuse assez particulière. C'est comme un grand piton rocheux qui se dresse. Et qui a bien une centaine de mètres de hauteur, est tout près. On peut faire le tour. Vous m'entendez? Oui. Tout près de ce massif montagneux, de cette aiguille en fait se dressant, à 200 mètres, vous avez un petit village
qui correspond exactement à ce qu'il y a sur le billet de banque. On le voit très bien ici, on va on mettre la photo ici, en évidence. Et on le voit encore ici. Et on le voit encore ici, c'est la même photo d'ailleurs. D'après les dernières photos que l'on a... Mais là, écoutez, nous sommes dans la brume, le piton rocheux que je pensais pouvoir... Enfin, c'est peut-être ça, mais non, il y en a un autre. Mais vraiment, très caractéristique, on dirait vraiment une pointe qui se dresse vers le ciel. Oui, c'est ça. On va rechercher le billet qu'on a caché quelque part, voilà. Il surplombe une vallée désertique. Voilà. Est-ce que c'est ça? Et de l'autre côté de cette petite vallée, il y a quelques arbres et un petit village d'une petite dizaine d'habitations. Alors, comme ce piton... J'ai vu un village qui était peut-être à 500 mètres sur l'autre versant, j'en ai Oui, voilà, c'est ça. À 500 mètres de l'autre côté de du versant, côté, c'est ça. Jean-Marc-François, comme le piton figure sur un billet officiel de J'ai un piton rocheux, là. Voilà, alors c'est ça. Alors vous allez... Du Cameroun, c'est qu'il a... Au pied du piton, et non dans le village. Hein. D'accord. Au pied du piton. Françoise, attendez, Françoise, voilà. Le Rokoloko, est-ce que vous avez trouvé la signification? Car on doit donner le monsieur qui s'appelle Christophe Colomb. Je crois que ce Rokoloko, ce doit être un espèce de chapeau. Pourquoi? C'est un... 8 minutes 30 secondes. Il semble qu'au pied de cette montagne, il y a un grenier à mille protégé par une énorme vannerie et un chapeau en poterie. Et ce serait ça le Rokoloko. Parce qu'on le voit, on voit cet immense chapeau sur le billet de 100. Nous allons refaire un deuxième tour. Je n'ai rien vu pour l'instant au pied de ce dic. C'est un chapeau, ça. On dirait plutôt une case. C'est la case, mais on retrouve ici ces immenses chapeaux. Alors, j'ai trouvé ici quelque chose qui peut être aussi important. Voilà, manger à Rumziki chez Christophe Colomb. Demander au petit guide. Par conséquent, ça confirmerait ce qu'on a trouvé, à savoir qu'il faut un guide depuis Rumziki pour se rendre dans cette région. Bon, Philippe. Oui. Alors c'est le restaurateur de ce petit village. Tu peux me déposer en haut. Je vais sauter. Tu peux me déposer en haut. Tu peux me déposer en haut. Là, je vais sauter. Et puis je vais chercher. Je vais faire le tour. Je ne vois toujours rien. Mais est-ce que je ne suis pas en train de me tromper de piton rocheux? Philippe, il faut vous poser rapidement maintenant, il nous reste 7 minutes. Il faut vous poser près de ce piton rocheux, aller au pied de ce piton rocheux, et là il doit y avoir un personnage surnommé Christophe Colomb. Ce doit être un restaurateur de Rumziki. Il vous donnera un Rokoloko, peu importe quel est l'objet, vous le lui demanderez, il vous le donnera. Alors on cherche avec Françoise de notre côté ce qu'est un Rokoloko, car Philippe doit le demander, hein. Je relis l'énigme, Christophe Colomb vous donnera le Rokoloko, vous l'avez? Si ces caserons ressemblent de loin à des grosses poteries sur lesquelles on aurait placé un chapeau de paille pointu. En s'approchant un peu plus, on découvre... Où êtes-vous en ce moment, Philippe? ...entre les cases, des gros jarres... Voilà, je m'en fais penser. T'as qu'à rester là parce que je vais essayer de trouver au champ le tour. Oui. Je n'ai rien vu. Voilà, elles sont recouvertes d'un couvercle de paille. Faites le tour de ce piton rocheux. Ça va bien vous prendre 2 à 3 minutes. Vous devez trouver une personne. Je ne vois personne, il n'y a personne, c'est complètement désert. Je me suis fait larguer par l'hélicoptère, je fais faire le tour de ce piton, mais je ne vois absolument personne. Ou alors en face. J'espère que je ne me suis pas trompé de piton. Quand on dit au pied de ce dike, c'est peut-être aussi un peu plus éloigné, en face dans le village. Est-ce que vous voyez un village en face de vous? De l'autre côté. De l'autre côté, mais là je suis opposé au village. Entre le village et moi, il y a le dic. Bon, je suis juste au pied de ce dic, mais je ne vois rien. Vous allez faire la chose suivante. Vous allez finir votre tour. Finir de contourner le piton rocheux. Si vous ne voyez rien, vous allez de l'autre côté au village. Voilà. D'accord. Philippe, on a trouvé ce que c'était un Rokoloko. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse corne d'antilope. Une quoi? Une grosse corne d'antilope. Une grosse corne d'antilope? Voilà. Oui. Okay. C'est dans un... Françoise nous lit cette indication.
dans un encadré, dans un guide donc, sur le culte des morts. Alors oui. Peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus. Voilà. Attention, moins de 5 minutes Philippe maintenant, il faut aller très vite, nous avions beaucoup de temps, il ne faudrait pas que nous le perdions. Alors, à Rumzinki, le culte des défunts est fondamental. Est-ce que tu peux voir si... Un enterrement est un événement hautement coloré et des plus spectaculaires. Trois notes graves résonnent dans la nuit. La trompe de guerre, donc le recours le coup. Que fais-tu en ce moment? Attendez, annonce le décès d'un vieillard. D'accord. Les gens du sacré enclos des cases et des greniers d'une même famille et les voisins expriment bruyamment leur douleur. Au petit jour, des messagers iront en courant prévenir la parenté et annoncer le décès dans les quartiers et les villages. Donc c'est une trompe de guerre, autrement dit une grosse corne d'antilope que nous cherchons, Philippe. J'arrête le tour parce que le piton est beaucoup trop important. D'accord. Il vaut mieux que je cherche un hélicoptère. Tu peux revenir me prendre, s'il te plaît, Joseph. Alors, je crois que nous avons toutes les indications. Jean-Marc, allez trouvé qui était ou qui serait ce Christophe Colomb. Christophe Colomb, manger à Rumzinki chez Christophe Colomb. En conséquence, ça peut être à Rumzinki même. Encore, bien. Quoique si l'on compare les deux... Ok, merci Joseph. On peut revoler, on va refaire un tour. Je n'ai rien vu. Écoutez, allez. Je préfère reprendre l'hélicoptère parce oui. que... Vraiment, allez dans le village en face. Dans le village en face. Vous avez localisé ce village, Philippe? Oui. Là, moi j'avais le vécu chez Christophe Colomb. Il faut aller à Rumzinki. Tu vas faire un tour, Joseph, s'il te plaît. Mais oui. Il faut aller à Rumzinki. Au pied de ce dique. Mais je pense que c'est dans ce village-là. Bon, alors, Philippe, allez dans le village en face. Attendez, il y a quelqu'un là. Je viens de reprendre l'hélicoptère, il y a quelqu'un devant moi. Oh, tu peux me reposer, Joseph, s'il te plaît. Alors, posez-vous vite et allez vite vers lui. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il tient quelque chose à la main? Écoutez, non, je ne vois pas, je suis peut-être à 100 mètres maintenant. Je vois encore. Je vois, il y a une personne, c'est tout ce que je peux vous dire. 2 minutes 30. Il semble tenir quelqu'un. Il a quelque chose à la main. Bon, il a quelque chose à la main, alors posez-vous vite, il vous reste 2 minutes et demie. Allez-y. Il a quelque chose à la main. Donc, nous sommes au pied du dique. Ce monsieur doit s'appeler Christophe Colomb, il doit donner, hein, c'est toutes vos indications, voilà, à Philippe, la corne de... D'antilope. Ok, Philippe. Vous pouvez bientôt vous poser. Tiens, combien de temps reste-t-il? 2 minutes 10 secondes. 2 minutes. Alors, est-ce que vous vous appelez Christophe Colomb? Oui, monsieur, je m'appelle Christophe Colomb. Je m'appelle Christophe Colomb. Mais et chez Christophe Colomb, je tiens... Le rendez-vous d'un fou. L'instrument de musique. Stop, chronomètre. On a bien entendu. Vous avez entre les mains, Philippe, que nous soyons certains cette fois, le Rokuloku qui est une corne d'antilope. C'est une corne d'antilope que vous avez. Exactement, j'ai une corne d'antilope. Formidable, vous avez été formidable. Bravo, Philippe. Quel est votre nom? Christophe Colomb. Christophe Colomb, voilà. Christophe Colomb, voilà. J'ai Christophe Colomb avec moi, c'est quand même pas merveilleux. C'est fantastique. Merci. Alors n'oubliez pas de faire une photo parce que Christophe Colomb et Dieu le veut, c'est quand même un événement. Et de ramener la corne. Allez. Alors, je crois Elsa qu'il faut saluer les auditions de Jean-Marc. Oui, moi j'étais absolument pas inquiète parce que depuis le début de l'émission, je savais qu'il gagnerait. Oui, le sorcier. Indique, attention, le sorcier lors des repérages, je l'avais dit, le sorcier de la première énigme, absolument. L'émission se déroulera très très bien et vous trouveriez les trois trésors. Vous les avez. Merci Philippe. Alors bravo. Formidable. Je ramène Christophe Colomb dans mon vaisseau spatial. Voilà. D'accord. Alors Philippe, je vous demande simplement de ne pas souffler dans le Rokuloku. Cela donnerait une résonance un petit peu triste à cette émission qui était fort gaie, je crois, et qui s'est merveilleusement passée. C'est en effet une trompe de guerre, mais cela sert aussi à annoncer le décès. Ça sert donc pour les enterrements, avant les enterrements. Évidemment, pour nous, c'est un petit peu triste, mais dans la société Margui et Kapsiki, un enterrement n'est pas vraiment un événement triste. C'est une fête chômée, rythmée, dansée, et cela n'a pas tout à fait la même signification que chez nous. On termine avec...
Alors, les trois éléments, presque comme toujours dans ces énigmes, le dic, vous l'avez trouvé, et je crois que Jean-Marc donnerait beaucoup mieux les explications géologiques que moi-même. Il s'agissait donc d'un piton, un piton savoir, volcanique, hein. Oui, fiché dans vous le, trouvez, dans vous le savoir, paysage, le savez. Tellement fameux qu'il figure sur un billet de France, 100 francs camerounais. De la République fédérale du Cameroun, voilà. Quant à l'appellation Christophe Colomb, ça ne vous a pas étonné beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est Françoise qui avait trouvé dans les livres qu'on donne des noms, que les jeunes gens se donnent eux-mêmes des noms un petit peu étranges, des noms illustres souvent, oui. Allant de Charlemagne à Napoléon. Comment vous appellerez même... là-bas, vous? Ah, écoutez, je ne sais pas, là, je leur laisse libre choix, je serais sans doute très étonnée. Mais eux-mêmes se donnent ces noms-là pour qu'on se souvienne d'eux. Alors, il y a, par exemple, beaucoup plus étrange que les noms historiques, un Jean Gabin, par exemple. Ah bon ? Il y a un René Coty, mais oui, authentique. René Coty. Un René Coty. L'ancien président un de la République Victor Hugo. Française. Et moi, je suppose que si on retourne, si quelqu'un va au Cameroun dans les années qui viennent, on trouvera peut-être des jeunes gens qui porteront des noms illustres. Jacques-Antoine, René Denis, le réalisateur de cette émission. Dieu le veut. Et alors, des Dieu le veut. Alors, il y en aura. Il y aura une dynastie de Dieu le veut. Je pense. Bien. Donc, trois trésors trouvés. Merci infiniment. Philippe. Les explications d'Elsa. Vous avez été formidable. J'ai été très heureux de rencontrer Christophe Colomb. Très heureux et très rapide, surtout. Bravo. Je vous le promets. Si vous rencontrez d'autres personnages illustres, Philippe, vous les saluez pour nous. Ok. Au revoir à nos amis camerounais. Nous survolons pour l'instant le petit village qui était donc à l'opposé, en face du dic. Nous le survolons, c'est un petit village assez mignon. Et nous vous disons au revoir et à une prochaine émission, une prochaine chasse au trésor. Au revoir, merci. Au revoir. Vous repartez, Françoise et Jean-Marc, avec 8423 francs suisses, c'est-à-dire... attendez, je vais faire le change de tête, je crois que c'est 27 500 francs français, voilà. Le billet de 100 francs, c'est pas si on vous le donne en plus, je ne sais pas. Moi, je vais vous donner, en souvenir de cette émission, le jeu de la chasse au trésor. Bravo. Merci. Bravo à votre érudition. Une fois de plus, les enseignants nous donnent des leçons. Il faut bien le reconnaître dans cette émission. Ils se débrouillent toujours très, très bien. Bon retour sur les Hauts de Lausanne. Voilà. Oui. Vous voyez de temps en temps la France? De temps en temps, quand il n'y a pas trop de brouillard. Sur la Clément. Oui, tout à fait. Voilà, bon retour chez vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et d'avoir sûrement joué et participé avec nous. Et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.